Et salut tout le monde, c'est Gaor. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de... J'allais dire combien d'autres choses... De Ratchet & Clank. Dans le dernier épisode, on était devenu un Ranger Galactique après avoir sauvé... comment il s'appelle? Comment ça s'appelle? Ah, attends. Enfin, après avoir sauvé les Rangers Galactiques... Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir tous les deux! J'ai passé toute la nuit ici! J'y crois pas! Skid McMarks! J'ai vu absolument toutes vos courses! Vous avez fait un triple flip Nova pendant la Coupe de Kerouan l'an dernier! Ça fait toujours plaisir de rencontrer un fan, petit! Je suis Clank, et voici Ratchet. Votre oncle a reçu votre info-robot et nous a demandé de vous aider. Ah, je me demandais s'il l'avait reçu! Mon agent et moi, on a passé toute la nuit à fuir les blargues. On a fini par être séparés dans la pagaille et j'ai fait une méga chute en sortant du paradis du sport de Skid McMarks. Hé, hey, vous croyez pouvoir vous débarrasser des requins des sables pour que j'atteigne mon vaisseau? Je vous donnerai mon overboard si vous dites oui. Quoi? Wow, un vrai McMarks 4000? C'est comme si c'était fait. Hé, hey, fais attention à ces requins des sables, vieux. Ouais, allez, on va voir ce qu'ils vont dire de mon lance-flamme, ces requins des sables. Trop facile. Vraiment trop facile. Attendez, ça se casse? Non? Ah, c'est de l'autre côté qu'on va pouvoir passer, on dirait. Mmh. Oups. Ah oui, on doit pouvoir passer par ici. Bien sûr. On va s'en occuper pour récupérer l'overboard. Le boulot. Oui. Ta-da-da-da-da-da-da. Ah. Donc juste virer des requins sables, c'est tout. Bon, après c'est pas compliqué. On avait vu aussi dans le dernier épisode que pour aller sur l'autre planète, enfin sur la planète, pour effectuer la mission top secrète de que croire que nous a confié, on devrait dans tous les cas. Il y a plein qui ont spawn ici. Hein, c'est assez... encore quelques-uns qui traînent sur le plateau, mon pote. Oui, oui, besoin. On a besoin de matériel. C'est le matériel d'un équipement du moins. Ah, on peut pas en avoir deux. Ah, non, c'est embêtant. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Vous vous sentez super bien les gars. Encore un petit effort. Wow. Eh bien. Vous avez pas le genre là. Un cheeseburger ou une pizza de l'espace. Je crois que le fast-food chez Quark livre encore à cette heure-là. Des requins des sables sur le plateau. Je crois qu'il reste encore quelques requins des sables. Ah oui, on est là où il y a son vaisseau, vraiment, ok. Ouais, donc on va aller chercher ces requins des sables. Enfin, les petits, les 30 derniers, là. Qu'est-ce que c'est, 30 hein? Fait rien. Mais apparemment on peut s'en fesser là, quand même. Ouais. Ah, ça c'est un bon moyen d'augmenter l'arme, hein. Vous trouvez pas? Non, parce qu'honnêtement, voilà quoi après. Hein. Encore des boulons, des boulons, des boulons. Tout plein de boulons. Oui, 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 c'est bon. Il n'y avait pas qu'en haut, hein. C'est bon. Quoi? J'ai dû me prendre des dégâts de contact avec ma sorte de nuit. Mince, j'ai pas le temps de casser, bon, tant pis. Vous avez trop géré! Merci pour votre aide! Voilà votre overboard! Waouh! Et il est même dédicacé! À Ratchet et Clank, les types les plus cools avec qui j'ai pu traîner sur une planète hostile! Oh, trop bien! Vous allez réussir à rejoindre votre maison tout seul?
Je vais me débrouiller, mais je pense pas pouvoir participer au championnat d'overboard de Blackwater City. Ça craint à mort. Hé, hey, les petits gars, vous auriez pas vu mon agent par hasard? Ça m'embête un peu de le laisser là, il est pas très très... On devrait partir à la recherche de l'agent de Skid. Il a peut-être besoin d'aide. Ce vendeur a peut-être de nouvelles armes? Jette donc un œil. Eh ben non, espèce de menteur. Oui, donc pour tout le monde, il y a eu un petit problème. Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est vrai, j'ai Monsieur Durcon, je dois y penser à Monsieur Durcon. Faut monter ça, hein. Ouais, oui. Votre attention, futur client. Le paradis du sport de Steve McMarks apprécie votre enthousiasme. Mais vous pénétrez maintenant dans une zone interdite. Veuillez quitter le chantier immédiatement. Ok, donc ils sont pas potes avec les requins des sables, ça c'est bon à savoir. Ok, Ouais. Donnez-moi tout vos blancs, plein de blancs. Oh non, voilà des renforts. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc il faut retrouver son agent. Bon. Ça devrait le faire assez facilement. Mais c'est des statues dehors de lui là. Ouais. Il se fait un high five. Un auto high five. Votre attention, futur client. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au paradis du sport de Skid McMarks. Mais votre refus d'obtempérer nous a forcé à activer les constructeurs robots. Bonne journée. Mes détecteurs relèvent une étrange signature énergétique près des cibles du Swinger. Il pourrait bien s'agir d'un gadget de Drake Industries. Ok, on va aller jeter un coup d'œil. Non, j'ai pas vu. Intrusion détectée au niveau 4. Déploiement des constructeurs robots. Ah, ok, d'accord, ok. Oh mais... C'est drôle, on a l'impression qu'il a entendu râler celui qui a téléphoné, du coup il a raccroché. Il dirait si c'est du même temps pour les deux, parce que moi j'allais pas répondre. Si c'est important, c'est sur le portable, sinon c'est pas d'appel. D'accord, où est-ce qu'il est lancé là, la bombe là? Votre attention, futur client. Notre vaste choix d'overboard, d'overbike et de gyrocycle ne sera pas disponible avant l'automne prochain. La seule chose que vous trouverez pour l'instant, c'est la main. Oui. Ici Skid McMarks. Comme vous le savez, l'overboard est un talent naturel chez moi. Découvrez-le dans notre rayon herberie créative. Vous me remercierez plus tard. Non, je vous jure, vous me remercierez. Si tu le dis. Non mais sérieux. Ouais, s'il te plaît. C'est quoi? J'ai jamais y pensé sinon. Ok. J'aime bien la phrase avec Monsieur Jacques. Ça peut être drôle des fois. C'était en haut, c'est vrai. Comment ça, graveur? Ah oui, non, c'est pas. J'ai cru que c'était le Jurcon qui me disait ça, non mais.
Ah, en fait, c'est lui qui a dû me le dire en plus. Mais je jure qu'on va attendre. Que je vous dis, j'ignore où il est. Vous connaissez les stars de nos jours. Elles font ce qui leur chante. On peut sûrement trouver un arrangement, non? Oh, mais il est déjà tout trouvé. On va te jeter au requin des sables. Au secours! C'est Brutus, c'est de me tuer. Okay. Abattez le Lombax! Non, le Lombax c'est gentil, ne le tuez pas. Ah, il y en a d'autres. Mais vous savez quoi? Juste... Est-ce que je sais que j'en avais plus qu'un? Wow! Oui, ça m'a fait en fait. Ok. Ah non, c'est la version Omega! On va rester le plus accélérant, le plus important. Ah! Ouais, donc. Yeah, oui. Demain il échange. Oui. Mais je m'en fous. Clairement je m'en fous. C'est pas vraiment Ok lui il se barre, c'est bon. Est-ce que l'un de vous a déjà pensé à faire une carrière sportive? Alors c'est. Il me semblait que c'était un bonus de dégâts ou quoi que ça faisait, mais pas. Bien joué, petit. C'est vrai que mon âme dure pense, oui. Vous devez être les deux héros qui ont sauvé mon client, hein? Attendez, ne dites rien. Ratchet et Clank? Ratchet et Clank. Oui, oui, magnifique. Raclette et Tank, ça sonne vraiment bien. Il y a un concept à développer, très vendeur. Écoutez, mon client et moi, on a été séparés alors qu'on regagnait précipitamment notre vaisseau. J'aimerais le rejoindre, mais cet endroit est infesté de requins des sables. Vous pensez pouvoir m'aider? Vous n'avez plus rien à craindre, monsieur. On s'est occupé des requins de sable. Magnifique, magnifique! Vous avez bon cœur! Le public aime ça! Ça nous a fait plaisir de vous aider. Comment on va sur le truc au milieu? Je sais plus. Ah d'accord. Okay. C'est vraiment sympa de nous avoir aidés. Et où allez-vous maintenant? L'hôpital, j'imagine. Je dois faire examiner ma jambe. À l'hôpital? Skid, enfin, tu as connu bien pire. Mais qu'est-ce qu'on va dire à tous tes sponsors? Je commence à avoir l'impression que tu te fiches de ce qui peut m'arriver. Ok. Et toi alors, Blanchette? Ratchet. Exactement. Tu veux être une star de l'Overboard? Cet info robot te donnera tous les détails. Dis-leur juste que c'est Don Wonderstar qui t'envoie. Comme tous les ans, voici le championnat annuel d'Overboard de Black Odyssey sur la planète Ringa. Vous aimez les sensations fortes et l'Overboard n'a pas de secret pour vous? Alors venez vite sur Ringar et vivez votre rêve en passant le mur du son sur une planche en plastique propulsée par des fusées. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors écoutez les témoignages de nos anciens champions. Je rate jamais le championnat d'Overboard de Blackwater City. Sauf celui de l'an prochain. Je pense pas que je vivrai jusque là. Je sens plus mes orteils. C'est normal, docteur? Les vainqueurs remporteront de l'argent et des holocartes. Alors venez sur la planète Ringar et tentez votre chance dans l'événement sportif le plus extrême de la galaxie. Essayez de rester en vie. Ouais, ouais, ouais. Wow, on vient juste de sauver une star. Je veux aller voir ce championnat d'Overland. Ratchet, on devrait explorer le reste du paradis du sport. Alors, t'as des cartes, mais une quête, un gadget. Ok. Il avait rien à vendre. On devrait explorer le paradis du sport de Skid à nouveau. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. C'est quoi, je vais débloquer le nouveau mode pour. Enfin, le nouveau truc du Combo Store. Hop! Les boules de placement du combustor parcourent plus de distance avant de se consumer, te permettant de tirer plus loin. Bah, ça c'est pratique. Eh mais. Ça tourne, hein? Ah,
trop rapide pour toi. Mes détecteurs relèvent une étrange signature énergétique près des cibles du Swinger. Il pourrait bien s'agir d'un gadget de Drake Industries. Ok, on va aller jeter un coup d'œil. Y'a rien en bas? Non, on dirait pas. Monsieur Zircon est là pour détruire. Mais oui, monsieur Zircon, oui. Ici, c'est magma. Ne vous laissez pas abattre par l'hiver. Venez découvrir notre rayon snowboard et équipez-vous de la toute dernière technologie pour déballer les portes. Il ne fait jamais trop froid pour être cool. Hein? C'est jamais trop froid pour être cool. Vous êtes prêts à dompter les vagues? C'est un fantastique! J'ai un super tuyau pour vous. Rendez-vous au rayon surf pro de vos droits secrets. Je vous obtiendrai 5% de réduction sur votre prochain achat. Tout le monde va acheter des trucs pour essayer d'avoir l'air cool. Oui, si oui, oui. Si ce n'est pas cool, ça ne sert à rien. Alors consultez vite notre programme de cours et inscrivez-vous à la formation cool. Là, vous apprendrez à paraître, à parler et même à sentir cool. Comme moi. Bien sûr. Bon, par contre, ça, je pense que je vais finir par tirer dessus parce que ça va me saouler. Ouf. Sérieusement? Non mais... Ah. Voilà! C'était pas compliqué! J'ai pas fait grand chose de différent pourtant. Hein. Ratchet et Clank trouvèrent un hydrodéplaceur portable. Conçu par le docteur Nefarious, cette astucieuse invention permet de déplacer de l'eau d'un point A vers un point B. On risque rien ? Ok. Faut juste pas aller plus bas, je suppose. Ok, donc ça va. C'est vrai que ça devait être très astucieux de ça, enfin, d'avoir un outil qui te permet de déplacer de l'eau à un point B, à un point A vers un point B, mais bon, après, je dis ça moi, aussi. Une simple pression sur un petit bouton, et nos amis pouvaient maintenant remplir une piscine tout entière. Conçu à l'origine pour déboucher les toilettes des Valkyries, l'hydrodéplaceur se révélera indispensable à Ratchet pour progresser dans les égouts de la galaxie. On devrait retourner au vaisseau. C'était vraiment pour déboucher les toilettes de Valkyrie. Alors aussi, il y a quelque chose que je voudrais... Ouais, quoi que non, c'est du bonus, avec quoi on s'en tape. Faut avoir un boulon en or, là. Oui, les petits bonus. C'est quoi ça? Non. Allez, donc sur on change de zone. Tu, aller tu apprécierais les courses d'overboard qui se tiennent sur Rilgar. Essaye de trouver le crocheteur dans les égouts de Rilgar. Il va nous falloir un équipement spécial pour infiltrer cette structure. Rendons-nous sur Rilgar pour l'obtenir. Et ouais, si donc on testait ce nouvel overboard. On dirait sur Rilgar, et puis écoutez, je pense que je vous laisserai là. Après, cinématique d'intro de Rilgar. Ah. Et c'est ici la raison pourquoi faut pas traîner dans l'eau. Après. Ah. Pas de cinématique, tant pis. À tous les habitants de Blackwater City. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes victimes d'une légère invasion d'amibes. Nos agents de sécurité font tout pour débarrasser la ville de ces créatures. Ils doivent d'abord se lever, prendre leur douche, se brosser les dents, démarrer leur vaisseau, bref, c'est pas ça. Alors, en attendant leur arrivée, la course est repoussée. Mais...
remercie de rester chez vous pendant qu'il gère cette crise. Ok, donc. J'espère que ce build vous aura plu. L'occasion d'essayer mon nouvel hoverboard Skid Back Max. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner ça vous a, si vous avez kiffé, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Ratchet & Clank. Vous voyez ça là? C'est la raison pourquoi on ne va pas dans l'eau. Regardez. Bonjour. Voilà.